Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une nouvelle catégorie sur ma chaîne, mais je ne sais pas si je la continuerai ou pas. Mais je tenais à vous faire voir le menu que j'ai réalisé de mes propres mains. Donc le menu d'un swap. Bien entendu la vidéo sera diffusée une fois que j'aurai échangé ce swap avec la personne. Sinon ça n'a aucun intérêt. Donc je vous le montre sans plus attendre. Donc, je ne suis pas scrappeuse, je ne suis pas tout ça. J'ai juste voulu réaliser quelque chose de mes mains, donc voilà. Donc, il se présente comme ceci. Alors, ce sont tout simplement des feuilles à 3 que j'ai collées entre elles. Et ensuite, j'ai fait un petit livret. Donc, bien évidemment, ce n'est pas un travail très compliqué. Mais j'y ai mis quand même beaucoup de temps à le faire, donc je tenais quand même à vous le faire voir. Donc tout d'abord on trouve une bordure en masking tape noir pailleté. Je vous ferai voir de plus près tout à l'heure. Là j'ai imprimé un nœud que j'avais et je l'ai découpé donc à ce format là. Ensuite j'ai mis des petits tampons étoiles, donc ils sont orange. Je pensais que c'était rouge mon encre, mais du coup non. Là j'ai mis un petit papillon en 3D, noir et blanc. J'ai découpé dans un bloc de chez Iman, donc un nuage que j'ai tracé dessus. Sur une feuille j'ai écrit le mot menu que j'ai ensuite découpé tout à la main. Là il y a des strass. Là ce sont des papillons que j'ai peints moi-même. Donc des découpes papillons en bois que j'ai peint moi-même et j'ai collé. Je ne sais pas si on va voir, mais il y a des petits strass. Il y a des petits strass sur chaque papillon. Voilà. Et ensuite, ici, il y a une enveloppe que j'ai découpée, que j'ai imprimée et découpée. Et là, il y a un morceau de masking tape qui vient de chez Carrefour. Donc, je vous fais voir ça de plus près. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. Donc ensuite, à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Donc là, c'est une grande statue de la liberté que j'ai imprimée, mais j'ai repassé en noir dessus. Parce que ça faisait tout pixelisé. Donc voilà. Ensuite, sur une feuille, j'ai écrit New York. Comme vous pouvez voir. Et après, j'ai tout découpé et recollé à ma façon que je voulais. Donc peut-être que les styles ne vont pas tous ensemble. Mais j'ai fait vraiment comme je souhaitais. Et voilà, un peu avec l'aide de mon chéri. Donc c'est tout tracé à la main et découpé à la main. Je vous ferai voir à peu près après. Ici, rien d'extraordinaire. Donc là, nous avons la. J'ai pris un V en strass que j'avais déjà. J'ai écrit vite placard et pareil, là, tous les strass étaient des prédécoupés. Ensuite, j'ai fait un démontage à l'ordinateur pour les numéros et j'ai collé mes étiquettes. Voilà. Toujours le masking tape noir. Je vous fais voir de plus près ce que ça donne. Donc voilà. La statue de la liberté et le mot New York. Voilà. Et donc là, je pars d'en bas. Hop. Voilà. Et là, ici, il y aura un petit mot, une petite lettre. Voilà, que j'ai pas encore écrite. Ensuite, je tourne ma croix. Donc là, pareil, le S, c'est un stickers. Toujours la bordure noire ici qu'on peut trouver. Voilà. Ensuite, j'ai pris des stickers de chez Z-Man que j'ai écrit avril 2016 puisque c'est la date du swap où on doit se l'envoyer. Et Aurélie et Morgane parce que c'est moi et Morgane. Voilà. Et après, j'ai colorié tout le tour de celui-là pour le faire sortir, ressortir. Après, pareil, on retrouve les étiquettes, mes petits mots. Voilà, là, j'ai rien mis, mais peut-être que j'en mettrai quelque chose à la fin. Ensuite, donc là, c'est la suite.
Donc pareil, ça c'est une image que j'ai découpée, imprimée et découpée. Et là, j'ai mis un petit sticker de Célusimane avec un ballon. Et ensuite, la fin. Rien d'extraordinaire, on retrouve toujours le B en strass. Et du coup, des petits stickers, c'est là j'ai écrit The End. Donc, je vous fais voir là de plus près. Voilà. Donc, la vidéo swap sera certainement sortie. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos de ma vidéo ainsi que celle de Morgane. Hop, donc The End. Voilà. Donc voilà, c'était du travail, même si on n'a pas l'impression. Mais voilà, c'était mon premier carnet comme ça. Les autres, je les ai faits à l'ordinateur, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis ma vidéo est à présent terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!